يا طير الطاير يا رايح عالديري تحليك عيون. Notre réponse à l'État d'Israël, c'est le PDS. Boycott des investissements, sanctions, une campagne qui a été lancée par la société civile palestinienne et c'est une campagne qui ressemble énormément à la campagne sud-africaine contre l'apartheid en Afrique du Sud. Eh bien, on ne nous permet pas de venir mettre le drapeau palestinien et de parler de la Palestine. On ne nous permet pas. Donc, nous décidons de désobéir au règlement. On désobéit au règlement qui nous interdit de soutenir un peuple qui est opprimé. Voilà. Et la désobéissance civile, on en parle tout le temps, et c'est quelque chose qu'on pratique. C'est Rosa Parks, c'est Gandhi, c'est Mandela. Voilà, ces grandes figures qui ont lutté contre l'injustice. Et la campagne de boycott qui a été lancée par les Palestiniens, c'est une campagne citoyenne, antiraciste et non violente. Mais qu'est-ce que la mairie de Montpellier, où elle trouve le danger? Où est-ce qu'elle trouve le danger quand on réclame justice, quand on réclame liberté pour les Palestiniens, quand on réclame égalité? Palestine. Malgré la cruauté de l'occupant et le silence du monde libre, le combat de nos prisonniers continue jusqu'à la liberté et pour la justice. Honte à l'occupation et à toutes ces mesures atroces dirigées contre eux. Honte au monde dit libre et qui ne bouge pas pour arrêter leur souffrance. Ce monde regarde mourir lentement nos prisonniers qui ne cessent de souffrir. Souffriront-ils encore longtemps? Où sont donc les organisations des droits de l'homme? Où est donc le monde libre? Ne voit-il pas? N'entend-il pas? Quand y aura-t-il une réelle pression sur les autorités israéliennes d'occupation? Le cri des ventres vides de nos prisonniers sera-t-il entendu? Jusqu'à quand la justice? Vive le combat légitime de nos prisonniers pour la liberté et pour la vie. Vive la solidarité internationale avec notre cause de justice et avec nos prisonniers palestiniens. Moi, je vais vous citer un poème palestinien. Ici, sur les pentes des collines, face au couchant et à l'abéance du temps, près des vergers, à l'ombre coupée, tels les prisonniers, tels les chômeurs, nous cultivons l'espoir. Nos pertes, entre 2 et 8 martyrs, 10 blessés. C'est une poésie de Mahmoud Darwish, mais en arabe. Elle parle de la poésie de sa mère, de la nostalgie pour sa mère. أحنوا إلى خبز أمي وقهوة أمي ولمسة أمي وتكبر في الطفولة يوما على صدر يوم وأعشق عمري لأني إذا مت أخجل من دمع. La tête haute et fière, vous serez libre, libre toujours dans une grande Palestine, une Palestine de liberté et de paix. Zian Medou. Daddy!